Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la bête. Non, je rigole. C'est pour découvrir ma machine de découpe que j'ai achetée chez Créavera. Et alors, je vais vous montrer la boîte tout de suite. Donc, c'est celle-ci. Voilà, ma machine de découpe. Format A5. Et dans cette boîte, il y avait ceci fourni. Et donc, elle est compatible avec toutes les matrices de découpe et tous les classeurs de gaufrage. Voilà. Donc, je vous la montre ici, on voit. Alors, en fait, elle s'appelle la CreoTime. Et finalement, j'ai pu constater plus tard que c'était la même que chez Artemio, la Happy Cut. Sauf que c'est la couleur qui change. Donc, je vais vous la présenter. Hop là. Donc ici, il y a, voilà, vous voyez, deux rabats. Quand on veut la ranger, elle prend moins de place. Sur le côté, on a la poignée qui s'enlève facilement. Hop, j'essaye de vous montrer. Voilà, ici, vous voyez là, il y a un petit levier comme ceci. Donc, hop, voilà, c'est fixé. De ce côté-là, nous avons les boutons de réglage. Donc le premier pour définir si on veut faire des die-cuts, si on veut faire un embossage en 2D ou en 3D. Et en dessous, la pression des rouleaux. Donc on appuie et on tourne, tout simplement. Voyez? Donc en fait, ça va du plus serré au plus large. C'est l'épaisseur entre les rouleaux. Donc, on a la machine. Et on a les plaques. Donc on a la plateforme. Voilà, elle est épaisse comme ça. Un adaptateur. Donc là, vous voyez, ils sont quand même super longs. Et la cutting mat. Donc la mienne, elle a bien vécu. Et ce qui change des autres machines de découpe, c'est que là, la plaque, elle est déjà, elle n'est pas transparente. Et en plus, elle est, je sais pas, elle est, voyez, en plastique flexible. Donc moi, je trouve ça pas mal plutôt parce que sur les autres plaques, finalement, elles se fendent carrément au bout d'un moment. Donc celle-ci, pour se fendre, je pense qu'il faut y aller. Et puis si, quand je la fais chauffer, alors maintenant ça marche plus parce qu'elle est super usée, hein, regardez. Et ben, elle reprend sa forme. Donc ça, c'est un bon avantage. Voilà. Et comme celle-ci, elle est presque en fin de vie. J'ai acheté chez La Fourmi Créative des nouvelles plaques de découpe qui s'adaptent à ma machine. Je ne les ai pas encore essayées. Par contre, elles sont moins longues. C'est tout. Voilà. Donc, là, c'est ce qui est fourni avec la machine. Donc, pour ouvrir les deux rangements, c'est très facile. Il suffit de les ouvrir. Vous voyez, là il y a un petit espace. Regardez, là ici il y a un petit espace. Il suffit juste d'appuyer dessus. Voilà. Et pareil de ce côté. Enfin, comme là je la porte, c'est pas facile. Hop là, voilà. Donc là ici vous avez deux rangements des deux côtés. Vous pouvez mettre vos projets en cours, vos découpes en cours. Ou vos outils, pardon. Voilà. Donc là on a la base de la machine. Maintenant on va faire quelques découpes. Comme ça, je vous montre comment utiliser les planches. A tout de suite! Alors, pour commencer, nous allons faire une découpe de dies. Donc, un dies, c'est quoi? C'est ça. C'est une matrice de découpe en métal. Vous voyez? Là, comme ceci. Ou alors comme cela. Attendez, je vais l'enlever. Vous allez mieux voir. Voilà. Donc, comme j'ai un album chaton à terminer, décorer. Bah, j'en profite en même temps pour faire mes découpes avec vous. Voilà. Donc un côté métal, enfin c'est du métal, un côté avec du relief et un côté plat. Donc là c'est le dos. Donc on va faire une découpe pour vous montrer. Je vais vous montrer mes réglages habituels quand j'utilise ma machine pour faire des die cuts. Donc sur la partie die cut, le bouton numéro 1, je vais choisir die cut. Donc je vais tourner sur le numéro 1. Au niveau du mot où il y a écrit die cut. Et sur la pression des rouleaux,
je vais mettre à moins 2. Donc j'appuie et je tourne à moins 2. Une fois que ce réglage est fait, donc ça c'est le réglage que j'utilise tout le temps pour les die cuts. Donc là, je repositionne la machine comme ceci. Je vais prendre la plateforme. Donc sur cette partie-là, on ne découpe pas. On ne met pas la partie en relief comme ceci. On la met sur le dos. Bon, effectivement, vous remarquerez que je me suis déjà trompée X fois. Ça arrive. Voilà. Donc je la positionne. Je mets ma matrice de découpe. Donc le dos lisse, le côté lisse contre la planche numéro 1. Ensuite, je prends un papier que je positionne sur la matrice. Ensuite, je prends ma planche cutting mat que je vais mettre par-dessus. Hop, là, on a un sandwich. Alors oui, c'est sûr qu'on ne voit pas à travers, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Et là, ça a bougé. Hop là. Et là, on tourne. Donc, je maintiens avec la poignée qui est faite pour. Et on tourne. Voilà. Donc, j'ai même pas besoin de la tenir parce qu'elle ne va pas tomber vu qu'il y a en dessous... Olé, olé, désolé. En dessous, on a le petit rabat. Donc là, on a notre découpe qui est faite. Vous voyez ? Là, hop là, on a nos petits papates. Et là, regardez. Donc, quand c'est comme ça que le papier reste coincé dans le dies, moi, j'utilise cet outil qui vient de chez Cricut. Mais j'ai pas la Cricut, mais comme c'est une petite pointe bien pointue, et puis je m'en sers aussi pour retirer la pellicule de double face, vous savez, sur le rouge, qui est super dur à enlever. Donc là, hop, vous voyez derrière, il y a des petits trous. J'appuie légèrement pour décoincer le papier. Voilà. Et là, j'ai ma découpe. Vous voyez, c'est simple, hein. Donc maintenant, on va passer à l'embossage. A tout de suite. Donc pour l'embossage, il vous faut des plaques d'embossage comme ceci. Vous voyez ? Là, où on peut glisser le papier à l'intérieur. Donc, on va mettre un papier à l'intérieur, comme ceci. Hop, on referme. Là, donc ici, ce sont des écritures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, nous avons des écritures. Donc, pour embosser un papier, il faut que je fasse les réglages nécessaires sur ma machine. Donc, je la retourne. Je vais sur 2D embosse. Là, tac. Et au niveau de la pression, je retourne à 0. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, si normalement. Donc là, on est à 0 et là, on est sur 2D embosse. Donc, quand ce réglage-là, il est fait, je prends ma planche, donc ma plateforme, je la positionne, je mets sur le dessus ma plaque d'embossage et par-dessus, je reprends ma cutting mat. Là. Donc une fois que mon sandwich est fait, je fais des tours de manivelle. Voilà, comme ceci. Là, hop là, j'enlève le sandwich. Et nous avons l'embossage qui est fait. J'aime beaucoup celui-là parce que il a des écritures. Vous voyez dans le dos là, regardez comment ça fait. Et voilà. Donc là, on a de l'embossage. Donc ça, c'est le réglage que j'utilise à chaque fois que j'utilise des classeurs d'embossage. Alors maintenant, nous avons aussi une autre possibilité avec les classeurs d'embossage en 2D. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais décaler la machine. Je vais utiliser des encres. Donc, je vais prendre des encres de chez Action, les gouttes. Voilà. Et alors, donc, je vais ancrer le côté qui est creux. Vous voyez, celui qui est creux. Donc là, je vais prendre une couleur. Donc, celle-ci, c'est la numéro 27, Arubian Sea. Donc, je vais ancrer une partie. Là.
Hop. Je vais prendre la bleue, la numéro 30, Sweet Silk. Donc, hop. Et pour finir, je vais prendre la numéro 46, la Neon Pink. Donc, je mets de l'encre. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon papier, je vais le mettre à l'intérieur, en sandwich, hop, et je vais reprendre ma machine de découpe. Donc, ma machine de découpe, elle est là, et je vais faire le réglage approprié pour les classeurs 2D. Donc, pour les classeurs 2D, c'est simple, on se met sur 2D embosse, vous voyez, et ici, on met la pression à 0. Zéro. Donc je remets la manivelle devant moi. Hop. Je prends ma plateforme. Je la positionne. Je mets le classeur d'embossage, peu importe le sens. Je prends, oupla, ma cutting mat. Je fais un sandwich. Et là, je manivelle. Donc je maintiens. Et je tourne. Alors vous aurez pu constater que dans chaque utilisation, je fais qu'un seul tour de manivelle, j'ai pas besoin de revenir 100 fois. Hop là. Donc elle fonctionne très bien. Et là, voilà. J'ai mon papier qui est embossé et colorisé en même temps. Donc après vous pouvez rajouter de l'eau à l'intérieur si vous voulez que ce soit plus, plus étendu. Maintenant, on va passer au die-cut 3D. Vous savez, les gros, comme ça, là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, un die 3D, c'est ça. Donc, celui-là, il vient de chez 6X. Ce sont des fleurs, pour faire des fleurs en 3D. Là, ça se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est bien épais. Là, là, vous avez le dos, avec la marque, le numéro, si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, ici ce sont les fleurs. Alors je ne sais pas si vous allez voir très très bien, mais on les voit un petit peu. Donc c'est en 3D et c'est très épais. Donc pour utiliser ce die cut là, il va falloir que je fasse les réglages sur ma machine. Donc je la retourne, comme ceci pour vous montrer. Je vais mettre sur la position die cut. Donc je retourne sur die cut. Et là, au niveau du bouton numéro 2, je vais me mettre à moins 5. Donc je descends à moins 5. Donc là, les rouleaux sont resserrés au maximum. Vous voyez, les rouleaux, ils sont là. Est-ce que vous allez les voir? Oui, normalement. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc ma plaque, ma cutting mat, que je vais positionner en premier. Je vais prendre mon papier que je vais positionner sur le dessus et je vais prendre ma matrice 3D. Alors le côté qui est où il y a le relief là contre le papier, et là j'ai le dos qui est plat et je le positionne contre le papier tout simplement. Et ensuite je manivelle et je maintiens. Et là, nous avons notre découpe qui est faite parfaitement. Nous avons nos fleurs. Alors, je vous montre. Vous voyez le résultat? Donc après, ça, c'est, ça mériterait un autre tuto pour vous montrer comment, comment on les crée, ces fleurs-là. En fait, il suffit d'enrouler. Il faut un petit outil spécial, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule. Et ça fait des jolies fleurs. Voilà, donc maintenant que nous avons fait ça, on passe à la suite, parce que cette machine, elle a plusieurs possibilités. A tout de suite! Alors, pour la suite, ce qu'on peut faire, c'est embosser un dies. Ce qui veut dire que là, on a notre dies, donc la partie qui coupe et la partie plate. Mais si on ne veut pas le découper et juste l'embosser sur un papier, c'est possible aussi. Donc, je vais vous montrer les réglages qu'il faut faire. Donc, je reprends ma machine.
je la mets sur 2D en bosse, là, et en dessous, je la mets sur moins 2. Donc là, je la remets sur moins 2, je remets la manivelle devant moi, et là, nous allons prendre la plateforme, donc la plateforme que je positionne, le dies, donc j'ai choisi celui-ci, des petits chats, mais pas pour le découper, juste pour l'embosser. Alors je mets le haut du côté en relief, le côté plat je le mets sur la plaque comme ceci. Là je vais prendre mon papier, hop, et là je vais utiliser un tapis de silicone. Alors moi je l'ai choisi chez Action, au rayon cuisine, et c'est un tapis de cuisson en silicone. Je ne peux pas trouver plus simple. Donc je le positionne sur le dessus comme ceci. Et là, je vais prendre ma cutting mat et je vais la positionner dessus. Maintenant, mon sandwich est fait. Je fais un tour de manivelle. Hop. Jusqu'au bout. Et vous voyez, depuis le début, j'ai pas eu besoin de repasser X fois. Un seul passage, c'est suffisant. Donc j'enlève toutes les couches. Et là, j'ai mon embossage. Donc ça n'a pas coupé. Ça a embossé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, ce sont toutes les possibilités que nous avons avec cette machine-là. La dernière, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Alors, je vous montre quand même sur le bouton, avec les boutons. Vous voyez ? Donc là, c'est pour embosser. Alors ici, vous avez le 3D embosse. Donc ça, c'est pour les classeurs de gaufrage plus épais. Donc pour embosser un classeur de gaufrage qui est plus épais. D'ailleurs, on n'en trouve plus dans le commerce. Hein. Ils n'en font plus depuis qu'ils ont sorti toutes les machines de découpe comme la Cricut et tout ce genre de matériel. Eh bien, on n'en trouve plus en magasin. Je suis allée chez Cultura, ils n'en vendaient plus. Ni des 2D, ni des 3D. Donc si vous en avez, vous réglez sur 3D embosse et en dessous, vous mettez le réglage à moins 2. Vous n'oubliez pas de tremper le papier que vous allez utiliser, vous l'aspergez un petit peu d'eau, vous le placez dans votre classeur de gaufrage et là, vous pouvez embosser avec la plateforme, la plaque d'embossage et la cutting mat, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette petite machine de découpe. Donc je l'ai achetée sur le site CréaVA, je vous mettrai le petit lien si je le trouve, mais je pense que oui, je vais le trouver. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !